Since its discovery in the 19th century, plastic has been democratized at the end of the First World War. Traditional materials were replaced by synthetic substances, leading to mass consumption in a new industry. A real revolution in everyday life, where everything became easier and more accessible. There's a great future in plastics. Think about it. However, we all know how it turned. It's only in 1984 that the first Congress of Scientists gathered to debate about the fate and impact of marine debris in Hawaii. But 35 years later, what really changed? Since 2016, we've worked with more than 20 internationally renowned scientists to build a scientific advisory board to advance research on plastic pollution. More than a collection boat, the Monta is also designed to host scientific missions and raise public awareness along its journey. Capable d'accueillir jusqu'à 10 scientifiques à bord du navire pendant des campagnes qui peuvent durer jusqu'en 3 semaines en totale autonomie. On a développé pour eux à bord du Manta 2 laboratoires qui sont compris dans des containers à l'arrière du navire, donc on peut les changer en fonction des missions. Et également dans le navire, on a un bureau qui peut leur servir de salle de réunion, et également une salle d'analyse en dur avec du matériel qui sera toujours là. Les missions qui seront embarquées, l'idée que j'ai, c'est de faire un appel d'offres en fonction des priorités du moment. C'est-à-dire si vraiment on a une grosse problématique de dérive de plastique, par exemple, on essaiera d'accueillir essentiellement des physiciens et des chimistes. Si c'est des problèmes de localisation, peut-être des spécialistes de la télédétection et des vérités terrain, ou des spécialistes de drones et de photos aériennes. Éventuellement, si c'est un peu plus ouvert, hein, ou s'il y a réellement des problèmes dans le pays de mortalité, de toxicité vis-à-vis de la faune, emmener des biologistes. Et pour étudier l'impact des plastiques, des microplastiques sur la faune locale. So two laboratories that can be adapted to all types of research, but also a conference room to welcome the general public. La mission de sensibilisation du projet Manta est importante. Elle va permettre en fait d'accueillir à bord du bateau, grâce à une salle de conférence, les populations locales à chaque escale, pour pouvoir sensibiliser à la pollution plastique mondiale et effectivement aussi les pousser à agir peut-être plus dans leur quotidien ou essayer de réfléchir avec eux comment initier des boucles d'économie circulaire localement pour revaloriser les déchets éventuellement ramassés et produits. The main asset of the boat is to recycle on site, participate in scientific research while teaching local communities about the limitations of plastic in a bespoke manner.